Allô, Allô, tout le monde! donc, bienvenue à notre premier live de Fred Neuf sous les pinceaux. Quoi de neuf sur les pinceaux? C'est un live qui va être tous les mardis à 19h30. Hey, bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour, Salut Christian. allô, Salut Manon. Salut Jean-Philippe. J'espère qu'on lag pas trop. On a réglé des problèmes. C'est ça, c'est un live qui va être à chaque semaine. Puis, c'est un live qu'on a commencé à un petit peu un dérivé de nos lives sur TikTok de Lise et moi. Et puis, on a décidé d'emmener la formule sur Facebook. Ça fait que ce soir, on va parler. Avant toute chose, on va expliquer un peu qu'est-ce qu'on va parler en résumé. Premièrement, on va vous faire un petit survol de notre semaine à moi puis Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'on a peint, sur quoi on a travaillé durant la semaine. Donc, ça va être ça le premier segment. Ensuite, on va vous faire un autre segment qui va vous parler, en fait, des nouveaux-nés. Oui, les nouveaux-nés, c'est une série qu'on a eu une bonne idée, Lise et moi. C'est que ça va être tous des tableaux qui ont été créés dans des ateliers d'artistes professionnels durant la semaine. Ça va être vraiment le fun. On a reçu quelques-uns. On va sûrement en recevoir d'autres à chaque semaine. C'est vraiment des tableaux qui ont été créés dans des ateliers pendant la semaine. Puis ensuite, en troisième partie, en fait, comme il y a une communauté à moi qui me regarde ce soir, mais aussi la communauté à Jean-Pierre, puis nécessairement, vous êtes pas, vous connaissez pas nécessairement les deux artistes qui font le live et qui font le projet actuellement, donc on voudrait prendre le temps de venir nous présenter un petit peu chacun pour que vous en sachiez un peu plus sur chacun de nous finalement. Donc ça va être dans le troisième segment. Et puis, on va terminer ça avec une course de tableau. C'est qu'on s'est lancé le défi de faire un tableau en 30 minutes. Bien, probablement qu'il ne sera pas terminé, là, puis on ne garantit pas le résultat, mais le 30 minutes, il va être respecté. Ça fait Oui. que là-dessus, on va commencer tout de suite. toi, c'est quoi qui s'est Parler de passé? ma semaine, Dans ton... Je vais c'est recommencer. Blub, blub. Toi, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans ton En passant atelier? à tous ceux qui sont là, merci. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Évidemment, on va essayer d'interagir avec vous, répondre si vous avez des questions, tout ça. Ça nous fait plaisir. Merci. Donc, moi, cette semaine, je dis cette semaine, mais dans la dernière semaine, j'ai pu signer un de mes tableaux. Donc, je vous montre. En fait, j'ai signé celui-ci la semaine passée. C'est un tableau que j'avais débuté quand même il y a quelques mois même. Mais là, j'ai décidé de le terminer la semaine passée. Donc, je suis super contente. En fait, je dis que j'ai signé, puis je n'ai même pas signé. C'est moi qui ai signé. Mais Ben là, il est terminé. c'est la lumière. Remonte-le un peu, moi, la lumière dans l'oreille, là. C'est vraiment Oui, capoté, là. ça, c'est mon gros défi de créer une certaine transparence, finalement. Fait que le petit Fennec, vous me direz ce que vous en pensez. C'est un tableau qui va être disponible lors du symposium de découvreurs à Cap-Rouge, première fin de semaine de juin. Ensuite, je vous montre sur quoi je travaille. Mon tableau qui est tombé. Je vous montre mon gros tableau sur lequel je travaille actuellement, principalement. Donc, pas le même type de poil. On parle d'un petit poil un petit peu plus frisé, rebelle, mais toujours dans le même détail. Puis j'ai hâte d'être rendue au niveau du corps où je vais pouvoir ajouter ma petite forêt qui est devenue un peu ma signature artistique. Ah, il est vraiment hot. Il fait. Il me semble, j'ai déjà vu des bisons à Montebello. Puis, non, je ris parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit que le nom Jean-Pierre est encore revenu en dessous de toi. Non, Comment je fais pour le changer, donc? c'était dans Petite Guerre, ça se fait-tu? Oui, je le change parce que je ne m'appelle pas bien Jean-Pierre. quand... Merci. ouais. Rappelez-moi le petit dernier. Ça, c'est ceux qui nous ont suivis sur TikTok, qui nous connaissent. Hier, moi et Jean-Pierre, on a fait une petite pratique avant notre live de ce soir pour notre petit défi 30 minutes. Puis je l'ai terminé, ben je l'ai terminé. Je l'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Fait que ceux qui l'ont vu hier, après 30 minutes, et aujourd'hui, vous allez voir vraiment que As-tu ça encore la photo proche? a bougé. Ah, C'est vraiment là, à travailler fort aujourd'hui.
En plus, avant un live à midi, avait la pratique. Oui, j'ai une grosse journée, là. Ouais. Mais je vous montre, hier, après 30 minutes, OK, c'était un autre monde, là. Oups. Et désolé pour l'éclairage contraste, mais c'est ça. Puis là, ben, après plus que 30 minutes, on peut voir que j'ai changé un petit peu plus de détails de finesse. Il y a des commentaires. A-t-on besoin de mettre sur toutes nos toiles un sceau aide de signature Lise? Une sceau? C'est quoi ça veut dire sceau aide de signature? Ben, une signature, peut-être? Ouais, je sais pas. Moi, je mets toujours une signature. Il y en a qui vont la mettre à parente, il y en a qui vont la mettre sur le côté, il y en a qui décident de juste mettre à l'arrière. Moi, j'aime bien signer mes œuvres. J'aime ça un peu comme c'est comme la finale de dire hey, j'ai terminé. Comme n'importe quoi, on signe une lettre. C'est un œuvre qu'on crée puis qu'on signe à la fin pour se l'approprier un peu finalement. Mais... Oui, malgré qu'on se l'ait. Oui, c'est ça, on a notre touche déjà. Hey, merci à tous ceux pour les bons commentaires. Merci. Hey, c'est capoté, on est déjà 43. Merci, partez pas, restez là. Oui, c'est ça, partagez aussi le live, là, si vous voulez. Ça me fait plaisir. Ah. Puis toi, Jean-Pierre. Ben oui, je vais commencer par répondre à la belle Nathalie. Ah, oui. Elle m'écrit « Salut mon bel amour, salut Lise, ma formation est annulée, donc elle peut nous suivre. » Ah, super! C'est juste Nathalie. Déjà... Mais, ok, je n'avais pas lu. C'est ma blonde qui est supposée avoir une formation. Ah ben moi, à mon atelier, j'ai joué à Candy Crush toute la semaine. Donc, je suis au niveau au top. Oh, oui, oui, non, c'est... Ah, je vais montrer mes... Ah oui, on aurait pu mettre en plus grand. Oui, ça a tout tombé. Pas grave. Tiens. Ah, excuse-moi, j'ai oublié de te le faire tantôt. Mais pas trop, on n'y a pas pensé. Ouais. Je l'ai mis miroir, hein, c'est pas facile à centrer. C'est un 16-16, j'ai beaucoup de plaisir. Il y a comme un... C'est dans mes forêts enchantées un peu ces temps-ci, puis c'est un peu comme s'il arriverait quasiment une soucoupe des extraterrestres qui arrivent. C'est un petit 16-16, j'ai beaucoup trippé à le faire. J'ai un autre aussi. Je pense que c'est lui, j'ai fait une vidéo cette semaine. Il est vraiment le fun aussi. Je sais pas, ces temps-ci, je prends des marges dans le bois. Là. C'est encore un autre petit tableau que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis les deux autres sont un petit peu plus grands. Hop! J'ai lu ici que j'ai fini hier ou avant-hier. Wow. Je ne sais pas si... Je l'avais pas vu la finale comme ça. Wow! Je ne sais pas... En tout cas... J'aime vraiment la touche. Oui, mais j'ai rajouté du vert un peu. Puis ici, j'ai Mimi Lechat m'avait dit de rajouter aussi de l'ombrage un peu ici. Mimi Lechat, c'est ceux qui ne savent pas, c'est qu'à chaque matin, je regarde mes tableaux chez moi en flattant mon chat. Ça fait que... ceux-là, ils ne sont pas vernis, mais oui, je mets Nancy, est-ce que tu vernis très rapidement? Oui, le vernis au pinceau, là, il faut vraiment y aller rapidement. Moi, il sèche vite, je ne sais pas pourquoi il sèche vite. Puis lui, c'est mon beau bleu. Lui, j'aimerais bien trouver une place chez nous, mais il faudrait que ce soit par l'autre bord. Ils sont tous encore disponibles, Jean-Pierre? Oui, oui, ils sont disponibles sur mon site web. C'est ça. Puis, ouais. On peut le masquer, je pense. Je pense qu'on a notre premier spam. Oui, c'est ça. Je l'ai bloqué. Ah non, tu as souci de mots. Non, on s'est fait spammer. Bon. Pourquoi il disparaît pas. Ça nous a tu, on sera pas poigné avec ça tout le temps. Ah, OK. En tout cas, Bobo, il fait dire, as-tu un souci d'amour? Ton mari ou ta femme t'a abandonné pour un autre? Si vous appelez là, vous êtes sûr de perdre de l'argent à un moment donné. Là. Il va y arriver une bad luck, là, puis il va falloir que vous y aidez. Ouais, écrivez-le pour faire disparaître le message. Oui. Et puis, c'est pas mal ça. Hein. J'ai reçu, j'ai reçu plein de commandes aussi. J'ai reçu des affaires pour faire des planches à découper, mais je m'en avais approché une pile, mais je les ai mis en dessous de mon écran parce qu'elle n'était pas assez haute. Oh, wow. Ça va rester là. Ça va rester là. Bon,
Toi, y a-tu d'autres choses que tu as oubliées dans ta semaine? Non, ben il y en a que ceux qui me suivent sur ma page, vous avez vu que j'ai fait des petites œuvres sur papier vendredi dernier. Ça m'a vraiment fait du bien de créer des petites œuvres où que je peux terminer rapidement puis être. Ah, c'est vrai. Ils ont trouvé preneur super rapidement. Fait que je suis super contente. J'ai envie d'en faire d'autres. Que vous me direz quel sujet vous aimeriez voir. T'es plus grande que moi, non? Hein? Attends. Rien. Hey, je voulais dire, c'est-tu le même qui s'est fait qui s'est acheté un trio ou? Non, c'est deux une qui a acheté un duo, puis hey, le bien. Corbeau et la vache étaient comme même grandeur. Fait que là, ouais, je te demandais ça, parce qu'ils étaient vraiment beaux les trois ensemble. Là. C'était vraiment capoté. Oui. Merci Manon, vous avez beaucoup de talent. Moi, je vois les beaux commentaires. Ah, Jenny, merci beaucoup de nous écouter. Vraiment, merci. Suzanne, OK, oui, Suzanne, concernant, tu parlais plus de ma touche, ma signature artistique qui était de ma touche personnelle, comment on dit ça? Ben, à cause que j'intègre mes forêts souvent dans mes œuvres, je les intègre pas tout le temps, honnêtement, sauf que je les intègre tellement souvent que c'est devenu caractéristique de mes œuvres. Mais c'est pas obligatoire que je les mette, finalement. Parce que justement, dans mon fenêtre, si je le remontre, j'en ai pas mis. Puis laisser juste place au sujet. Ah, j'ai vu passer à Camille Gravel, artiste. Ah, il est beau son gros chat. Moi, j'aime les chats, c'est pour ça. Ah oui, voyons, le gif qu'elle a mis, comme. Oui. Ouais. Je suis avec des lunettes en plus. Partir pour dire, j'espère que ça marche sur nos Facebook, mais oui, il y a tellement de commentaires que ça n'a pas le choix. Ensuite, on est-tu rendu à l'étape des nouveaux-nés? Oui, les nouveaux-nés de la semaine. Et ça, bien, on a fait ça dans l'attente. Ben, c'est plutôt Lise, là. Quand c'est tout bien écrit, même, c'est Lise. OK. On va commencer avec le premier. C'est Rodrigue Laplante, c'est un 16-20, c'est une huile, c'est disponible sur sa galerie Arti. C'était-tu Arti? Il a écrit un message par après. Oui, sur le lien, c'était Arti. Là, fait OK. Que... Sinon, tapez Rodrigue Laplante sur Facebook, puis c'est sûr qu'il y a un lien vers ses tableaux. C'est un tableau... Rodrigue, je le connais un peu, c'est un artiste de Rivière-du-Loup, puis il est vraiment... très sympathique, puis c'est ça, il est vraiment très, très, très sympathique. Je ne sais pas si on mettait les commentaires à côté. OK, oui. On... On peut-tu? Je ne me rappelais plus. Oui, il faut juste le... Non, je ne pense pas dans ce cas-ci. Non, on ne peut pas. Dans même, non, ça ne marche pas. Ouais. Un, deux, deux, test. M'entends-tu encore? Hein? J'ai pas de retour de son. OK, excuse, il faut que je me débloque. Je parlais dans le vide. Là, tu m'entends? Est-ce que... OK, vous nous entendez? On n'entend pas Jean-Pierre. Désolée, moi, je vais juste représenter le tableau à Valérie parce que j'ai parlé dans le vide. OK, là, m'entendez-vous? Oui, je t'entends, Jean-Pierre. C'est OK, bon, je suis revenu. Quand je nous ai enlevé de l'écran, je vais enlever au complet, même le son. Ça, je pense OK. Que... Fait que je vais représenter à nouveau le tableau à Valérie parce qu'il vaut la peine d'être présenté. Donc, vitalité, 36 pouces par 24 pouces, technique mixte sur toile galerie. Donc, c'est un tableau qui est disponible. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir le site de Valérie. Ensuite, on passe à
Je te laisse, Jean-Pierre. J'essaie de trouver la manière de. Ouais, on ne peut pas cacher. La ouais, on ne peut pas tout cacher. Ah, c'est pas grave. C'est La gardienne du jardin. C'est un œuvre de Camille Gravel. Elle est de quel endroit, Camille? Camille est de Bécomo. De Bécomo. C'est un 24x36. C'est une aquarelle de café sur panneau de bois. C'est de l'acrylique plus de l'encre et des feuilles dorées. Hey, c'est vraiment super beau. Je n'avais pas pris le temps de la regarder. On a tellement reçu aujourd'hui. Hey, c'est vraiment... Hey, bravo Camille, puis c'est une œuvre qui est non disponible. Parfait. Ensuite, on a Johnny Thomasin, donc avec Élan de liberté. Une œuvre quand même assez grande. On parle d'un 60 pouces par 30 pouces, acrylique et technique mix. C'est une œuvre qui est disponible à la galerie Le Chien d'Or à Québec, il me semble que c'est. Donc, si jamais vous avez un coup de cœur ou vous voulez voir plus de ses œuvres, je vous invite à aller voir sa page. C'est en arrière du musée de la civilisation. Ah, dans, OK, dans c'est ça. Hey, puis la mise en page a été commanditée par Mme Racine. C'est bien simple, bien simple. Oh, lui, je vais l'annoncer. Ça, c'est mon ami Christian Paquet. C'est un peu plus haut. Et puis, c'est un 24x36. C'est un acrylique. C'est un tableau qui est disponible. C'est 1100 $ livré, je pense, encadré. Et puis, il est disponible sur cpaquet.com ou sur son Facebook aussi. Puis, s'il n'est pas vendu pendant l'été, bien, il va être disponible à mon atelier. J'espère que je vais pouvoir le voir. Non, non. Et puis, le prochain. Oui, ensuite. On a pesé nos dents en même temps. OK. je vous présente La belle journée des coquelicots de Joanne Thomasin. Donc, là aussi, un autre grand format. On parle d'un 60 pouces par 30 pouces, acrylique et technique mix. Également disponible à la galerie Chien d'Or. Puis, sinon, ben, vous pouvez probablement contacter Joanne directement pour avoir plus d'informations. Et puis, le prochain tableau, c'est Jessica Bourret. C'est le titre à déterminer. C'est un beau titre, ça? c'est assez grand. C'est original. Un 48. C'est une œuvre mixte sur toile galerie. C'est 2200 $ livraison incluse Canada-US. C'est vraiment beau. Puis j'ai un coup de cœur pour cet artiste-là parce que vous irez voir ses capsules. Là, elle est vraiment sympathique et vraiment le fun. Là. Puis c'est quoi qui est drôle? C'est que mon iPad, quand à chaque soir, quand je décolle mes lives TikTok, j'ouvre mon TikTok, puis elle était comme, c'était comme buggé, c'était toujours la même vidéo d'elle qui commençait. Il y a une vidéo, la moitié des vues, c'est moi. Ah, merci, Joanne. Merci, c'est gentil. Coucou, plus de son, ouais, c'est revenu. oui, c'est vraiment une bonne artiste, Jessica. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas fait les mercredis soirs. On voulait laisser la place. On voulait nous aussi écouter les vidéos en direct de Jessica. Vous avez un rire sympathique, M. Gagnon. Bon, un autre cheveu blanc. Appelez-moi juste Jean-Pierre. Hein, j'ai un cheveu blanc. À chaque fois, monsieur, là, regardez comment je n'ai plein. C'est tout à chaque fois, monsieur. Je marque vos noms dessus. Ça, c'est à cause d'elle. Non, non. Merci. J'espère que vous aimez ça, la petite rubrique Nouveau-né, où est-ce qu'on présente les tableaux des autres artistes. Comme on disait au début aussi, là, n'hésitez pas, si vous êtes artiste également, à nous écrire en commentaire, nous écrire personnellement pour qu'on puisse vous ajouter dans le message de groupe pour que vous puissiez aussi partager vos œuvres de la semaine puis qu'on les diffuse durant le live. Oui, c'est bien important. Il faut nous envoyer idéalement pendant la fin de semaine, plus que le mardi. On a le temps de les préparer. Non, je roche, là, tu sais. Allô, Diane. Et puis, c'est ça. Ça fait que c'est ça qui clôt les nouveaux-nés de la semaine. En espérant en avoir beaucoup, beaucoup plus la semaine prochaine. Et puis, oui, s'il vous plaît, où on envoie? Ah, vous communiquerez avec nous par Messenger. Ouais, ou Suzanne, écris-nous. On va-tu lire les commentaires après? Parce que sinon, on pourrait lui demander qu'elle écrit son... OK. Mais par Messenger, tu vas être sûr de moins nous manquer. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est, je ne sais pas. Quand on a pensé à ça, on se sentait super généreux. Puis c'est surtout que
Moi, TikTok cet hiver, les réseaux sociaux m'ont fait sortir de ma solitude. J'épeins beaucoup plus à cause de ça parce que il y a des fois, je n'aurais pas fait de tableau, mais là, je savais que ça faisait un bout que je n'avais pas fait de live. Ça fait que je pesais sur le piton. Puis des fois, tu dis, je vais peindre une demi-heure, puis tu es rendu qu'il y en a qui. Le monde, il y a trop de monde, tu finis 3 heures plus tard. Oui, c'est ça. En plein Exact. ça. Et puis, c'est ça, là, on est rendu à la. On va se Troisième présenter, partie. Jean-Pierre. Oui, à se présenter. Parce que c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui regarde le live, que c'est du monde qui connaissent Lise. Puis il y en a que c'est le contraire, que c'est moi qui connaisse. Puis là, on veut se présenter pour que tout le monde nous connaisse. Ça fait que toi, tu es un artiste de quel endroit, Lise? Donc, moi, je suis une artiste de Lévis actuellement. Je dis actuellement parce que j'ai déménagé quelques fois. Là, je suis originaire de la Côte-de-Beaupré, mais j'habitais à Québec longtemps. Et là, je suis à Lévis, sur la rive sud. Mais sinon, en général, pour voir mes œuvres, parce que j'ai mon atelier à Lévis, mais vraiment, je me permets d'aller visiter toutes les régions, ben, toutes. Beaucoup de régions du Québec pendant l'été, la saison estivale avec les symposiums d'art, pour pouvoir vous rencontrer finalement. Fait que c'est de vraiment suivre mes réseaux sociaux pour voir les différents événements, expositions que je fais durant l'été. Oui, puis ton inspiration, c'est surtout des petites bêtes, je pense. Moi, j'aime bien les petits poils, je Oui. pense. J'aime ça quand c'est poilu. J'aime les plumes aussi. Ouais. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, je suis vraiment une personne qui adore la nature, les animaux, le vivant. J'ai comme vraiment une connexion. Plus que ça avec les années, plus j'ai une connexion avec tout ce qui est le vivant animalier. Je trouve il y a une pureté là-dedans que j'aime bien recréer. Donc, la beauté de la faune et de la nature que je vais venir recréer sur mes tableaux, puis ça dans les petits, petits détails. Oui, puis juste de même, depuis quand tu peins? En fait, j'ai toujours dessiné, mais là, ça fait depuis 2016 que j'ai vraiment repris les pinceaux de manière assidue. Puis je suis vraiment contente. En fait, ça a commencé avec le défi du Inktober. À ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez probablement même, il y en a qui me suivent depuis ce moment-là du défi Inktober ou d'autres années du défi Inktober, qui était de faire un dessin là, à chaque jour du mois d'octobre selon des thèmes. Puis à partir de ce moment-là, j'ai eu de l'intérêt des gens, puis ça m'a donné envie de vraiment pousser plus loin, reprendre mes pinceaux. J'ai commencé des symposiums d'art, puis depuis ce temps-là, je peins et là, je suis à temps plein depuis 3 ans. Oh, ça passe vite. Oui, mais là, il faut que ça continue. Fait que merci Ah, d'être là avec moi. ben c'est bien parti, je m'en fais pas. T'es super. Hey, puis, comment je veux dire, j'apprends des affaires sur elle en même temps parce que on se fait pas longtemps qu'on se connaît, puis on s'est jamais vu en vrai, là. C'est. Oui, nous, on est juste virtuels, là. On ne s'est jamais rencontrés encore en personne. Fait Ouais, que c'est ouais. sûr qu'on planifie ça. C'est sûr, c'est sûr que je vais voir Jean-Pierre cet été à son atelier. Fait que faites pareil d'ailleurs, ça vaut le détour. Puis là, c'est ça que je voulais dire. Moi, ceux qui me connaissent savent que je suis dans les teintes très, très sobres. Je suis pas très colorée, là. Moi, je suis comme c'est le côté naturel qui ressort, terne, tout ça. Fait que toi, Jean-Pierre, c'est l'opposé. Parle-nous, là. C'est quoi? Ouais, il y a Un, pas t'es beaucoup de de où? détails, puis il y a beaucoup de couleurs. Ben moi, je capote ces couleurs. Je peins à peu près tous mes tableaux en automne. Ça arrive des fois que c'est l'été. J'adore faire des paysages, des sous-bois, mais je fais beaucoup aussi de villages. J'ai une belle collection aussi de marguerites, que ça fait longtemps que ça me suit. Et puis, j'ai ma série Mémoire urbaine aussi, qui c'est une série de villes, mais que j'intègre beaucoup de vieilles pièces d'ordinateur dedans. À un moment donné, je vous en ferai un, là, ça va me faire plaisir. Mais c'est ça, je joue pas mal là-dedans, puis ça fait quand même plusieurs années que je peins, de 22, 20. Wow. Enfin, 22 ans, ça passe vite, là, c'est vraiment spécial. Ben, pour ceux qui me connaissent, ça va, mais ceux qui ne me connaissent pas, c'est que j'ai comme en 1996, j'ai acheté une station-service, puis je suis tombé dans des guerres de prix sur l'essence. Le modèle d'affaires des petites stations-service en Gaspésie, ils ont pas mal pris de bord. Ça fait que j'ai transformé, après 5 ans, j'ai transformé mon garage, que je suis encore dedans. Ma machine à terre était juste ici, là, ou mon chevalet. Puis, OK, wow.
Puis, c'est ça. La première année, j'ai exposé des tableaux. Je viens d'une famille d'artistes, mon frère, mon père, après ça, ma sœur, je crois. Puis, je vendais des tableaux de d'autres artistes aussi. Puis, pendant l'automne, ben, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je me suis mis à peindre dans le backstore parce que c'était vraiment laid ce que je faisais. Là. Ça n'avait pas d'allure. Ça fait que, c'est ça, l'année d'après, je me suis mis un petit mur. Puis, avec les années, mes tableaux, ils ont tout mangé de la boutique. Ils ont tout, ça s'est étendu à grandeur. Puis, je ne regrette pas. Là, c'est... Mais non, c'est super beau. Puis d'ailleurs, tu peux-tu nous dire, t'es où? C'est où cet atelier-là? Ah, c'est à Sainte-Flavie, c'est à 20 minutes de Rimouski. C'est vraiment les portes de la Gaspésie. Si vous regardez une carte, que vous voyez la 132 qui fait le tour de la Gaspésie, bien, où est-ce qu'elle part et qu'elle revient, moi, je suis vraiment à la lumière sous le coin. C'est, vous ne pouvez pas me manquer. C'est, il y a l'église, il y a la lumière, il n'y a rien qu'un feu de circulation à Sainte-Flavie. Ça fait que d'un bord, il y a l'église, l'autre bord, c'est moi. Puis en face, c'est le fleuve. Direct dans le fleuve, non, c'est sûr que là, ils ont passé tout droit. Et puis, c'est ça, y a-t-il quelque chose? Super beau coin. Moi, j'ai un. On n'a pas parlé, ben, si vous voulez, parce que je les impose dehors, sinon, je vous invite, on va vous montrer nos sites web. Donc, moi, c'est liseracineartiste.com. Vous pouvez aller voir toutes mes œuvres disponibles et mes produits dérivés. Donc, j'ai une boutique web sur mon site web. Puis, sinon, on a aussi Jean-Pierre qui a aussi son site web. Oui, puis vous pouvez voir mes tableaux. Je vends beaucoup de tableaux dérivés que je fais toutes sur place ici. Des tasses, des napperons, des planches à découper, des tapis de souris. Puis plein d'autres affaires, des sous-verres. Ouais, non, mais je n'ai plein. J'ai commencé à nommer, mais pas super, ils ne m'en veulent pas si je l'oublie, eux autres. Ah oui, c'est ça. Mais toi, j'invite, il faut que vous allez voir la vidéo. Tu l'as impérée, je pense, sur ta page, de toute façon. Hein, la vidéo où tu fais le tour de ta... Oui, si vous allez sur mon site web, descendez un petit peu, puis il y a une petite visite là, à jpgagnon.com, ça va vous donner une bonne idée. C'était parce que là, c'est le bordel un peu, c'est plus la zone, c'est plus, on est plus en hors saison, mais le ménage commence à se faire. Je connais Sainte-Flavie, prochaine visite à Rimouski, j'arrête. Ben oui, il faut passer, Suzanne. Ben, en plus, elle m'a dit qu'elle a vraiment un beau nom de famille, ça. C'est Suzanne. Suzanne Gagnon. Ben oui. À Saint-Anne-des-Monts, oui. Aussi. Ah, bonjour Richard. T'as pas peint cette semaine. J'aurais aimé ça annoncer un de tes tableaux. Il est super bon, Richard Fortin. Là. Allô, belle initiative de votre part. Là. C'est vraiment un bon artiste. Oui, merci beaucoup pour tous vos bons mots. Merci. Et hey, puis là. On est présenté, là, on va... Oh non, c'est vraiment stressant, là. On est dans le défi. Et puis, on va faire nos tableaux. Je sais pas, ça va virer comment. Là, j'ai enlevé le miroir pour être droitier, mais je regrette quasiment parce que c'est pas évident, ce... Ah, ouais. Moi, je vais me faire de la place, là, parce que... Hein? Et puis... N'hésitez pas à poser beaucoup de questions à Alice. C'est très important là, d'y poser des questions pour la déconcentrer. Uh-huh. Mais je suis sûr, à un moment donné, il y a un tableau à essayer de faire des courses de tableau. Mes exactos, au pire, Alice, sont pas loin. Ça, c'est que moi, là, ça me prend en moyenne là, 40 à 70 heures faire un tableau. Fait qu'on s'entend que de me dire de faire un tableau en 30 minutes, c'est pas du tout le même niveau que je fais habituellement. Fait que faut pas s'attendre à un miracle. Là. Et puis là, je sais pas comment me mettre pour que vous voyez. JP reste concentré ce soir, j'ai barré la porte. Parce que hier, on s'est pratiqué hier, puis j'ai pas arrêté de déconner, j'ai pas arrêté de. Mais là, hey, mon tableau était grand, là, c'était un 30-30. Là. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas le même format. Moi, avec mon petit.
12-24, puis toi avec ton 30-30. Non. Ça fait que... Fait que là, en plus, il est 8 heures, Jean-Pierre. Fait que là, jusqu'à 8h30. Oui, jusqu'à 8h30. J'hésite encore quoi faire. Il y en a-tu qui ont des idées? Un île avec des voiliers, une plongée ou un sous-bois? Ben, moi, je commence, je sais. Je sais pas, il y a combien de temps de décalage, hein? Ah, oh, ouais, j'avoue. On n'avait pas dit que c'était à peu près une vingtaine de secondes. Ah, c'est pour ça que quand j'ai parlé... Confiance en toi, Lise, t'es capable. Avez-vous l'idée d'intégrer un mot-clé qui... Ah, peut-être les autres fois. Des voiliers. Une île. OK. On va changer de... Ouais, les prochaines fois, on pourrait se faire proposer des thèmes. J'ai pensé proche de primer ma toile en blanc. Parce que quand que je fais des voiliers ou des affaires comme ça, ben je mets toujours une couche de blanc avant. Mais les voiliers, ça implique d'avoir un séchoir, là, par exemple. En tout cas. Mais je ne l'ai pas fait. J'aurais dû. Là. Je vais repasser ma vie à dire déjà j'aurais dû. Un kite, des voiliers. Sous-bois enneigé, sous-bois avec une maison, ben là, des voiliers. Je pense que ça va être... Un voilier avec un phare. Hey boy. Moi, j'avais prévu un modèle. Moi aussi. Il sort pas de ma tête comme ça. Le, Diane, c'est une maison jaune. Ça fait que je vais donner la première. J'avais préparé aussi une palette. C'est un île avec un voilier. Ça, c'est quelque chose qui se fait quand même bien dans un temps. C'est sûr que je vais sûrement avoir du temps demain pour le terminer. Là. Vous allez voir ce que je fais. Plus que vous avancez, vous me direz si vous devinez. Caroline Lavoie, tu sais que Lise... Hey, salut! Salut, Inn! Inn, tu vas la rebaptiser encore? Inn, non. Pour ça, c'est parce que Caroline, son nom, est sur TikTok. Je ne voyais pas le début, c'est juste marqué In. Puis son nom, il n'était pas au complet, ça fait que je l'appelais. C'est ça, je pense qu'il y a quelqu'un qui te pose plein de questions. Non! Ça va là. J'ai juste les petits yeux. Bon. Oui, c'est deux points que vous voyez. Oui, on travaille les deux avec de l'acrylique. Ah, Gilles, tu veux que je mette ma forêt? Je ne sais pas, je vais avoir le temps de mettre ma forêt. Non, hey, je pensais à faire une plongée, ils avaient sorti un kit de couleurs. Mais c'est pas grave, ça va juste être drôle. Voyez-vous bien? Oui. Un renard, est-ce qu'on voit mes commentaires, Suzanne? Ah oui? Les deux, travaillez-vous qu'avec l'acrylique, des fois à l'huile? Ah oui, j'ai répondu oui, mais... C'est ça qu'Élise a commencé, OK. Des fois, on les voit, puis des fois, ils passent vite. Fait, si on ne répond pas la première fois, je n'y vous pas, écrivez-les une deuxième fois. Fait qu'il y en a qui pensent que c'est un renard que je fais. Ah, Camille, peut-être un ours, peut-être. Ah, toi aussi, Suzanne, à l'huile. Ah, bon. Mais moi, je suis plus à l'acrylique ces temps-ci. Oui, ça va depuis que je te suis sur Facebook, sur TikTok, en tout cas. Hein? Tu as travaillé plus l'acrylique. Ça va? Oui, oui. Hey, l'autre fois, je t'ai-tu compté la fois que j'avais connecté mon ordinateur, toutes mes caméras, mais avec mes deux séchoirs pour faire un live sur le même record? Quand j'ai pris mes deux séchoirs, tout a fermé. Mais juste deux séchoirs, c'est sûr que ça va. T'en as demandé trop un peu, là, ton. Ouais, mais oublie pas, c'est des prises de garage aussi.
Ah, c'est Ils ont du courant. Hey, finalement, j'ai acheté le câble de 100 pieds pour avoir du réseau et pas laguer ce soir. D'ailleurs, j'espère qu'on ne lague pas trop. Ça Oui, semble. mais moi, je te vois quand même assez clair. D'habitude, quand on lag, on. Mais Quand on lag, on lag. Comment? On ne se voit pas laguer, mais on voit l'autre. Excusez, encore, vous avez choisi les îles, vous allez avoir les séchoirs. Un ours depuis. Hey, les gens ont découvert ce que je suis en train de faire rapidement. Ça ne ressemble à rien encore. Il y a plein de mouvements, c'est bleu, c'est vert, la fleur, c'est la fleur. C'est que je mets tant les yeux, le nez, un petit peu plus de précision pour détailler. Mais après ça, je me gâte aussi. Ça fait du bien, hein, quand on les ferme, les séchoirs. Ouais, hein? Mais si je fais pas ça, je l'aurais pas fini. Hein. Vous n'aurez pas de fun. Là, je vais mettre plein de bleu pour Nathalie. C'est que ma conjointe, elle capote sur le bleu solide. Puis, quand je fais un tableau bleu, ses yeux brillent tout le temps. Est-ce que vous avez des questions à développement que vous voulez nous poser, là, savoir sur nous, sur n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez nous encourager. Hey, je vais vous compter mon premier live Facebook, il y a 3 ans. J'ai je fais un live. Hey, j'étais juste pesé sur le piton, là, j'étais tout trempé, là. Et puis je vais répondre tantôt, Nancy. Ça fait que je paye sur le piton, tout. Je fais le live, puis là, je commence à parler, puis j'étais full gêné, puis je bégayais quasiment. Puis c'était pire qu'à soir. Puis ça fait qu'à un moment donné, ça monte à 7 personnes. À un moment donné, ça descend à 6, à 5, 4, 3. C'était comme un décompte de la mort. 2, 1. Zéro. Plus personne. Je me suis dépêché à repaiser le piton pour fermer mon live vu qu'il n'y avait plus personne. Puis ça a pris 3 ans. Avant que tu en fasses un autre. Ouais, ouais. Mais là, on n'est pas spé, vous êtes 45 personnes. Ouais, c'est vraiment le fun, hein? Puis c'est quoi que tu as encore plus le fun? Ben, c'est égoïste là, comme raisonnement. Là, j'ai du fun. Ah oui, c'est ça. Tu n'es pas trop trempé, là. Non, ça va, ça va. Ah, merci de nous dire que c'est observant de nous observer. Bon, OK. Nancy, elle m'a demandé tantôt c'était quoi mon verre de golden. C'était du jaune. C'est que mon bleu n'était pas sec. Mais c'est du jaune du nickel. Du jaune de nickel. Je vais le montrer en gros. Ah, quelqu'un qui a dit que c'est un ours noir, Lise. Ah! Très agréable de vous voir travailler, oui. Ma blonde a dit qu'elle était contente qu'il y avait du bleu. Il y a quelqu'un qui a dit, je crois reconnaître ton ours noir, Lise. Bon, oui. Allô, Manon, merci. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est un peu comme mes... C'est en plein ça, nickel jaune. J'allais m'inspirer. Ce sera pas long. Tu vas chercher. Je vais essayer de taper sur les papiers que j'ai fait. Oh, ça devrait être correct. Ah.
Avec les oreilles, on leur prenait plus. Avance, on remet ton affaire. Moi, j'ai rien que le temps de faire des barres. Ben là, j'ai fait deux petits yeux. Ça a l'air d'être un dessin d'enfant. Puis là, j'ai mouillé, puis là, ça a tout foiré ma ligne. Oui, ça. Tout ça. Ça a l'air au moins d'un dessin. J'aime ça avoir le front quand que je peins même avoir une coupe d'accident de. Hein? JP, tu fais juste parler. Oui, Diane, ça m'arrive souvent ça. Tu as déjà eu comme prof, Diane? Il me disait ça aussi. Yo, moi, mon séchoir. Salut Jean-Pierre, je m'en viens pas mal installé dans mon nouvel atelier. C'est donc bien gentil, ça. Ah, je veux dire, c'est pas. C'est donc bien le fun, je veux dire. C'est vraiment hot. Je pense, Rodrigue, tu es en train de déménager. T'as pas le droit de s'asseoir, Lise. Pourquoi j'ai pas le droit? On peut travailler à la clinique avec des statuts. Ben oui, tu peux travailler. Il n'y a pas de règlement. Hein? Tu peux prendre tes mains, tu peux avec un éponge, tu peux. Oui, pas mal tout est légal. De même une bleue. Patrick, il adore le bleu, bon. Ah, il fait pas de bruit, ton séchoir. Mais quand je passe par Rivière-du-Loup, je vais aller voir. Ah, Diane, c'est elle, Miss Didi, OK? Ah! On ne reconnaît pas les noms TikTok, puis. Non, il n'y a rien à faire, hein? Et dire, t'es pas là, hein? Non. Michel Leblanc. Wow, vous me faites capoter, vous voir aller. Ben, on s'amuse. Je ne sais pas si ça va donner une œuvre d'art, mais on s'amuse. C'est ça. Hey, il me reste 17 minutes pour fermer ça. Ah! Oh mon Dieu! Vite! J'aimerais avoir seulement 10 % de vos talents. Ben, il s'agit juste de peindre 10 % de ce qu'on peint. <C'est>... Ça va avec la pratique. Il y a pas... Mes premiers tableaux étaient vraiment très nets. Oui, moi aussi, je le dis tout le temps. Pratique, parce qu'il y a juste... en 2016, ça ne ressemblait pas à ça, mes tableaux non plus. Là. Nathalie a écrit, ma conjointe a écrit, c'est vraiment bien parti, Lise. J'ai des élèves qui seraient vraiment super impressionnés de te voir peint. Ouais. Pour vrai? Ah oui, oui. Vous faites souvent des... Vous en faites souvent des événements. Nancy, c'est le premier... c'est la première fois, on serait supposé, tant que la chicane ne pognera pas, là, on va en faire le à chaque mardi à 7h30. Fait que si vous avez des suggestions de ce que vous aimeriez nous faire faire ou ce que vous aimeriez. Là, c'était notre premier live, fait que si vous avez des coups de cœur de ce que vous avez aimé durant le live ou des trucs que vous avez moins aimé, ben vous êtes... On est ouvert à vos commentaires. Si vous payez le cognac. Comment? Non, de la chanson de Plume, là. Tu n'as jamais entendu ça? Non. On est ouvert à vos commentaires. Si vous payez le cognac. Ah oui! Si vous payez le cognac. Oui. On l'a reconnu, malgré. Dans le prochain live, je vais la mettre, toi. Ben, sur Facebook, on ne peut pas mettre de musique. Non, c'est ce que j'allais dire. Non, tu vas nous faire bannir notre live. Ben, c'est un petit peu pour ça. Hein? Depuis que Justin il a comme banni un peu TikTok, ça fait que on fait souvent des duos sur
comment je pourrais dire, sur TikTok, mais sur Facebook, c'est la première fois. Hey, c'est même pas sec. Allô, le Rodrigue? Que j'achète l'idée, je pense. Ça serait pour toi, champion, tu serais Alice. J'ai de l'abstrait pour toi. Oh mon Dieu, ok, ouais. 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 Ouais, Gilles, ouais, j'irai voir ton site web, Jean-Pierre. Ah, merci, c'est gentil. Hey, ça va. Oh ben là, c'est à soi que je sors. Mon pinceau magique, c'est le dernier de sa race. Cobra. Poil croisé, ils n'en font plus. Moi, je comprends pas. Dans le fond, tu es dos à ta caméra. De quoi je suis dos à ma caméra? Ouais. Ben, j'ai un... Puis, t'as à peu près... Je sais que tu tournes pour voir les commentaires en ce moment. Ah, moi aussi? OK. Ben non, mais c'est toi, tu tournes. Moi, je me suis mis de côté. OK, OK. Mais je trouvais qu'on voyait moins bien le tableau. Commentaire, si vous payez le cognac. Ah, ok! Rose de TikTok. Fait que là, qu'est-ce qu'on pourrait parler? Pour que je te déconcentre, parce que quand tu parles, sympa. Moi, j'aurais jamais le temps dans 13 minutes. Si bon, 13 minutes. On va remplir de la toile. Là. Peut-être qu'on peut extensionner de 15 minutes. Ah, non. Ah, knock-choke. Non. Si vous pensez que la chance, Miss Didi s'appelle Diane. Mais c'est logique en même temps quand tu le sais. Ouais. « 15 minutes de plus, c'est de la triche, ouais. L'ours a déjà de la personnalité, ouais. Ah, oh, tu as un pinceau, j'en ai un, ouais. Mais je n'avais plein de ces pinceaux-là avant, mais ils n'en font plus, colique. C'est mon dernier. Je le gardais pour une occasion spéciale. » Ouais, mais toi, quand tu commences à mettre tes armes, tout ça te prend de... Ça va vite, là? Ouh, je sais pas, là. Hier, je me suis tournée, puis... Ouais, tournée. C'est pas la même sorte d'arbre, là. Ah! On va faire une première couche de ciel, là. Moi, habituellement, je peins vite, mais en plusieurs couches. En prenant du café. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas de café, moi, non plus. Hey, on est rendu à 62 personnes. Oh mon Dieu. Hey, c'est le fun. C'est Nina qui regarde là, le miteur. Là. Vous nous direz à la fin, ça a été quoi le maximum? Juste pour notre ego. Ah, mais la qualité, ça dépend. C'est peut-être parce que là, on est deux. Ah, ben bonne soirée, Suzanne. La qualité est meilleure sur TikTok, oui, c'est vrai. Pourtant, c'est supposé être la même chose, pas mal. Peut-être. Sur Twitch, on aurait une meilleure qualité. Alors, leur compression et leur algorithme TikTok, la vitesse que ça va, là, ils sont durs à battre. Ouais.
Vous êtes connu comment? En faisant des lives sur TikTok. C'était... moi, j'avoyais faire des lives. Je dis, mon Dieu, je ne réussirai jamais à y voler ses clients sans devenir ami avec. Je vais t'en profiter. Aidez-moi. Nous, on ne voit pas la toile. Il y aurait pas de m'écrire. OK, quand que je suis devant, on ne voit pas la toile. Si peut-être, je ne sais pas, peut-être virer votre téléphone de bord si vous n'avez pas la même vision. On n'a pas le temps de regarder si on virait le téléphone de bord. Si... c'est Nina qui pourrait nous dire, là, qui regarde ça, le live sur un téléphone, c'est de mettre paysage ou pas. Si ça fait une différence. Il me reste 9 minutes. Ça fait que les tableaux demain, on va les poster après sur Facebook. Hein, pour... oui. On fera un post nos deux tableaux avec là, ensemble, peut-être. Ou... publication là, pour vous montrer les résultats après 30 minutes ou son extension. Ah, mais Jean-Pierre, wow! Check, je savais que ça allait prendre forme super rapidement quand tu commences à mettre tes éléments. Moi, je pense qu'il n'y aura pas. Moi, c'est quoi qui me fait. Parce que j'ai pris mon pinceau, c'est le dernier de sa race, lui. Hein? Fait que lui, il est magique. C'est le dernier en Amérique du Nord. Ça se fait plus. C'est des poils qui sont comme curvés, puis ils sont mis comme face à face, un à l'autre. Là. Puis, je riais du vendeur quand il m'a conté ça, puis dans le fond, c'était vraiment vrai. Oui, j'étais pas là, j'ai fait une map par rapport. Je vais au moins essayer de faire un voilier, je pense. Hein? C'était ça, je pense, au départ, ton plan. Ben, je pense que le monde voulait un voilier. Hein? Fait que... ce serait chien de ne pas en mettre un ou deux. Ils vont être petits. Et moi, c'est abstrait. Mon pinceau, c'est un Cobra 1501 PBO. Si tu m'en trouves des numéros 12 à même, là. Ah, je te dis, je suis prêt au moins à payer 30$ du pinceau. 40$. Puis je connais quelqu'un encore qui est prêt à payer plus cher, je pense, mon frère. Ces pinceaux-là, on... ah non! Ah non! On a encore des... ah non! Tu l'as barré comment tantôt? Attends, je vais le faire. Je cliquais dessus. Donc, main plate, ça. Block user. Block. C'est juste que je ne peux pas enlever le commentaire. C'est chiant, hein? Je vais juste en rajouter pour l'enlever. Ah, mais non, mais tu vas mettre n'importe quoi. Oui, la seule manière que je tape vite, c'est comme ça. Pas grave. Vous allez défoncer. Go Twitch, go Caro, elle veut qu'on le fasse sur Twitch parce que la qualité est meilleure sur Twitch. Ça réduit moins la qualité sur Twitch. Ouais, Facebook, ça n'a jamais été la... surtout, on est deux à séparer un écran. Ça n'a jamais été la qualité des vidéos, leur marque de commerce. Là. Mais Caro, j'ai un compte sur Twitch. Fait que la prochaine fois, le prochain mardi, je vais juste l'ajouter dans les diffusions. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais... ah oui, j'ai oublié de le mettre sur mon... j'aurais pu le mettre aussi sur mon
YouTube personnel. Bon, c'est starté une chaîne YouTube, mais ça prenait plus que 24 heures pour avoir le droit de faire des lives. Il fallait s'authentifier. Là. En tout cas, toute une histoire. Ah oui, il y a quelqu'un qui t'a demandé c'est quoi la marque de la compagnie de ton chevalet. Ah, c'est la bonne compagnie, là. C'est quoi? Non, c'est Isel, non, Fabel. Quelque chose de même. Il y a un numéro, là, mais c'est le gros. C'est comme... J'aime ça parce que ça arrive souvent, je fais des diptyques puis je peux les mettre les deux dessus. Je suis dans mes détails, je suis tellement concentrée. Vous payez. Tu sais qui m'a mis ça dans la tête, certainement? Toi, toute seule. Je suis capable de faire ça tout seul, c'est ça. Fait que dites-nous si ça vous tente, si vous avez aimé. Ah ouais, on n'a même pas demandé au monde de partager ni de liker. Ni... On va prendre de l'expérience. Hein? Mais là, on va pouvoir avoir des feedbacks. Dites-nous de pour le mois prochain. De toute manière, c'est une bonne affaire que. C'était stressant le premier, là, je vais vous avouer. Là. Lise était super relax avant de commencer, mais moi, je suis stressé. Oui. Mais oui. Très, très relax, surtout quand je cherche mon papier que je m'étais mis. Lise, elle s'avait mis des notes sur un papier, elle trouvait plus son papier. C'était tellement drôle. Là. En tout cas, de mon côté. Là, mais... Moins drôle du mien. Je dirais, hey, 3 minutes, 3 minutes. 3 minutes? OK. J'aurais un peu le temps de mettre du blanc. Oui, j'ai été obligé de. J'ai pas le temps de faire mon fort. Et. C'est qui voulait un fort, moi? Je vais le faire dans l'ombre ici. Ou... On verra bien s'il va rester là. Merci Valérie! Comment, merci beaucoup. Contente que tu aies apprécié. Merci pour les partages. Merci Suzanne. Ah, merci Millie aussi. Ah, ben moi, c'est parce que j'ai. Je pense que ma caméra d'ordinateur qui n'est pas au top. Parce que quand je vois dans ma cuisine, la couleur est jaune. Puis il n'y a aucune raison pourquoi la lumière est jaune. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est ma caméra pour. J'ai une caméra externe. OK, il n'était pas sur ton. Il était pas sur mon ordi. C'était pas sur ton ordi? Oui, mais ma caméra d'ordinateur, ma webcam, j'ai l'impression qu'elle est de mauvaise qualité, vraiment. Fait que... C'est quelle marque? Ben, je sais pas, tu parles de mon ordinateur? Ouais. OK, puis c'est une caméra que tu as installée dessus? Ben non, mais c'est ma webcam, mais j'aimerais ça installer une caméra à part. OK. Parce que j'avais dit que justement, les webcams de base sur les ordinateurs, c'est vraiment des qualités de base. L'idéal, c'est vraiment de filmer avec une autre caméra externe. Mais là, c'est de pouvoir le connecter et faire rentrer le flux de la caméra. Il reste une minute, mais on a commencé une minute plus tard, je pense. Je sais trop pas. Je vais brosser ma peinture. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas... Moi, c'est Val et Séchard. Allô, Valérie? C'est ah, ça. C'est fun!
C'est donc même fun, ça. il y en a plusieurs qui... Parce que sur TikTok, tout le monde a comme des faux noms. Hein? C'est... Fait que rendre sur Facebook, on ne reconnaît pas les noms. Je vais tricher ou airbrush un peu. Ça... Comment? Je vais tricher ou airbrush un peu. Ça va... Ah ouais, c'est ça. Hey, mon Dieu, c'est bien beau ton affaire. Hey, j'ai chaud. Tu es jalouse. J'ai mis trop. Mes rayons sont trop. Hein? Tadam! C'est fini? Une demi-heure, c'est ça. Je vais juste finir mon petit sourcil, sinon. Ah, c'est pas si fait. À l'écran, c'est mieux. Non, c'est vraiment beau. Ah, il est beau ton ours? Non. Anita, oui, c'est cool, l'airbrush, ouais, ça va vite donner des effets. Là, c'est... Ah, bravo pour votre belle énergie. Ah, merci. Ah, il est super cute. On dirait un petit bébé ours. Ouais, hein, c'est vrai, hein? Tu l'appelles. Hey, tu l'appelleras « Où est ma maman? » Où est ma maman? Il est vraiment beau. Hey, 30 minutes, ça go, ça fait pose vite. Les c'est... amis, c'est ça, 30 minutes, moi. C'est vraiment pas avancé. Hey, moi, c'est... Hey, je regarde dans l'écran, c'est vraiment full hot. Je me veux d'abord, oui, je c'est vraiment hot, ton tatouage. Non, non, mais je me veux d'abord, je regarde mon tableau. Il est vraiment rough. C'est comme... Merci! Oh, j'ai chaud. Je mérite une poule en chocolat. Non. Oui, c'est ça. On a fait ça en 30 minutes. Merci tout le monde. Hey, merci beaucoup. J'ai manqué beaucoup, beaucoup de commentaires. S'il y en a qui ont écrit des commentaires tantôt qu'on ne les a pas vus, moi, j'étais vraiment plongé dans ma performance. Oui, c'est ça, c'est difficile. Quand on sait qu'on est timé, on ne veut pas trop perdre notre temps. Mais voilà. Wow! Je lis les petits commentaires. Deux poules à soir, Jean-Pierre. Non, je ne dormirai pas deux poules. Bravo, merci, très beau. C'est beau. Merci, Nathalie. Oui, on fait une belle équipe, hein? On est une belle team. Oui, j'ai beaucoup de plaisir. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer aussi le live avec Lise. On est super complémentaires. Oui. Et si là, il y a des affaires qui font que c'est beau, là, que ça a l'air préparé, là, c'est pas moi. Bah, mais... Arrête! Montre le tien. C'est toi qui as trouvé l'application pour faire le stream. Que... Ah oui! Attends un peu. J'adore. Attends un petit peu, je vois. Hop! Tiens. Ah, c'est pas long, je l'ai tossé, Lise, hein? Là, OK, je vais essayer de le mettre droite, non? Tiens. Ah, j'aime ça. Moi, c'est dans les couleurs, là. Ah, je peux même pas le mettre par-dessus elle. On va m'en aller, bye! Ah, il est le fun, hein? J'ai pas le temps de mettre beaucoup de contraste, ça fait qu'il est quand même assez pâle. Mais, mais il reste beaucoup, il paraît, comment je pourrais dire, il est beau de loin, mais il est loin d'être beau. Il reste beaucoup d'ouvrages dessus, là. Ah, ben oui, vous voulez faire les lives. Mais moi, il me restait tout le petit détail à faire. Évidemment, j'ai juste... Il est vraiment bien parti. Rien fait. C'est juste ma base. Habituellement, c'est ce que je fais en somme. Comme première couche. Mais tu le fais aussi vite que ça d'habitude? Oh, quand même. Ouais. Alors, moi, je peins quand même une pas pire allure, mais là... C'est juste que là, j'essaie de faire au moins un petit peu les yeux rapides, là, genre un petit éclat, un petit... Habituellement, je ne ferais pas ça. Puis juste ça, je l'appellerai... Tu l'appelleras « Je cherche ma maman » ou « Où est maman? »
On a dit je cherche. Non. C'est quoi t'as dit tantôt? Où est ma maman? Je cherche ma maman. Dizzy a dit que je peux manger sa poule. J'avais une promotion de poule en chocolat, puis il en reste rien que deux. C'est pour Diane, puis Edith. Edith n'est pas là. Elle n'est pas là. Pour moi, pas Facebook. Ah, peut-être. Mais on est content que vous avez aimé le live. Donc, comme on disait, c'est un rendez-vous à chaque semaine. Oui. Donc, le mardi à 7h30. Dites-nous d'ailleurs si c'était une bonne heure. Ben, je pense que ça va rester comme ça pour quelques semaines, mais si jamais on voit... Oui. Puis moi, je suis vraiment emballé de voir qu'on a 54 personnes. C'est oui, ça, c'est ça! Sur Facebook, comme je vous dis, moi, le Edith, elle t'attend sur TikTok. Peut-être. J'ai mis mon téléphone. Va-t-on recevoir par courriel une invitation? Ah, pas pour l'instant, mais c'est vraiment une bonne idée, Nancy. Peut-être qu'on pourrait faire une liste de courriels. On va regarder ça. Que le monde, peut-être, ça va faire une... On va voir. On va faire quelques semaines. Puis après ça, on va voir comment que ça va parce qu'on est deux artistes qui gagnent leur vie à ça. Si ça s'en va en s'augmentant, tout ça, on va en rajouter plus. Oui. Puis on va ajuster aux besoins. Si ça vient qu'on n'a plus beaucoup de monde, bien, on va, malgré que quand on peint, on ne perd pas notre temps. Mais c'est ça, ça remplit déjà des semaines déjà très remplies. Mais on le fait avec plaisir. Je parle pour moi, là, c'est vraiment un strip. Là, c'est comme je développerais mes cadeaux là, de Noël. Mais sinon, j'ai fait des événements Facebook pour les trois. J'avais fait pour 4 semaines. Fait que si vous vous inscrivez à l'événement, si vous marquez intéressé ou je participe, vous allez recevoir une notification dans la journée pour être présent pour le live. Donc, ça peut aider. Pas le courriel, mais vous auriez au moins la notification sur Facebook avec l'événement Facebook. C'est une solution. Ah, c'est vraiment une bonne idée. Ça fait que merci beaucoup à tout le monde. Il y a des commentaires qu'on n'a pas le temps de répondre. Puis j'arrête pas avec mon doigt d'essayer de défiler les commentaires, mais c'est sur mon ordinateur. super, ça j'ai fait. Merci. Fait que ça, puis c'est sûr que dans les prochaines semaines, le petit segment où est-ce qu'on s'est présenté, bien, ça va prendre souvent une autre forme. Là. On parlait peut-être de parler des anecdotes et tout, d'actualité. En tout cas, on va voir. J'ai plein d'anecdotes avec des clients, moi aussi. Je suis comme épais des fois, puis ça crée des belles anecdotes. Hey, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. As-tu d'autres choses à dire? Non, c'est bon. On remercie et on va finir ça comme ça, en beauté. Merci aux 54 qui sont là. C'est vraiment super. On sait qu'il y en a plusieurs qui ne pouvaient pas l'écouter en direct, mais que la vidéo va être en rediffusion. Fait que si jamais vous êtes arrivé plus tard, vous avez manqué une partie, quoi que ce soit, vous allez pouvoir réécouter aussi par la suite. Hey, tout le temps, je vraiment beaucoup, Lise. Sur ma page Jean-Pierre Gagnon, mets la souris sur le 54, tu vas voir. Sur ma page, Jean-Pierre Gagnon, je n'ai 3. Lise Racine, artiste 36. Atelier du Pain 15. Moi, c'était 15. C'en était 15 qui étaient hot, par exemple. Ah, c'est ça. Je savais pas qu'on pouvait voir comment c'était partagé. Non, mais c'est ça. Ni moi, c'est le fun. Mais merci à ma communauté d'être là. Merci. Merci à la gang Alice. Puis merci à ma gang. Merci à tout le monde. C'est super gentil. Puis c'est ça. Ça fait que bonne soirée. Bonne soirée. Bye.